Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment devenir affilié Canva et commencer à gagner de l'argent. Donc avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite flèche, la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Pour le format texte de cette vidéo, vous pouvez le consulter sur mon site web https://www.digimarketfive.com. Donc, pour découvrir Canva, je vous recommande de voir mes vidéos précédentes sur YouTube. Je vous laisserai les liens en bas de la vidéo dans la description. Et pour télécharger Canva gratuitement, je vous recommande d'utiliser le lien que je vous ai laissé en bas de la vidéo dans la description. C'est gagnant-gagnant. Donc ce lien, il vous permettra de bénéficier de 45 jours de gratuité sur Canva Pro. Donc allons voir comment vous pouvez devenir affilié Canva. Alors, donc pour commencer, vous allez lancer Canva en appuyant sur mon lien. Donc, vous allez atterrir sur cette interface. Et puis, donc, il faut s'inscrire. Cliquez sur « S'inscrire ». Donc, il va vous demander de s'inscrire soit avec Google, avec votre compte Google, ou avec compte Facebook, ou bien tout simplement un email. Donc, vous faites le choix. Vous inscrivez. Donc, par exemple, avec un email, donc il me dit continuer, etc. Donc, vous allez, et puis vous allez répondre à toutes les questions qu'on va vous demander. Donc, et votre inscription sera accordée immédiatement après vérification de votre email. Donc, ceci étant, donc vous allez sur Google, donc, et puis vous tapez programme d'affiliation Canva. Programme d'affiliation Canva. Voilà, donc je clique. Programme, le premier lien, donc je clique dessus. C'est programme d'affiliation Canva, gagner de l'argent avec Canva. Je clique dessus. Et puis, j'atterris sur cette interface. Donc, gagner de l'argent avec Canva Pro. Partager le pouvoir d'un bon design, rejoignez le programme d'affiliation de Canva Pro. Donc, et puis, il vous demande si vous, de vous inscrire dès maintenant. Donc, juste pour avoir une idée de ce programme, donc, rejoignez le programme d'affiliation de Canva et commencez à obtenir des gains dès à présent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est premièrement, il faut s'inscrire en tant qu'affilié. Et deuxièmement, il faut promouvoir Canva Pro. Et troisièmement, donc bien sûr, vous allez gagner de l'argent. Donc Canva, il vous apporte un soutien pour faire cette promotion. Nous vous soutenons à chaque étape en vous donnant des templates, des logos, tout ce que vous aurez besoin pour faire la promotion. Et voilà, donc c'est un peu le site. Donc, et puis, inscrivez-vous dès maintenant. Donc, je clique sur, soit que j'inscris, je clique sur ce bouton, bien je reviens en arrière et je clique sur inscrivez-vous. Donc, c'est les mêmes. Je clique, inscrivez-vous dès maintenant. Donc, voilà, donc il me donne une interface pour s'inscrire. Voilà, donc Welcome Partner, Create Your Impact Account, Canva Pro Affiliate Program, Share Your Tracking Link. Donc, Complete Affiliation for Canva Pro. Donc, ici, vous signez donc Sign Up. Donc, on clique sur Sign Up pour s'inscrire au programme d'affiliation de Canva. Je clique Sign Up. Voilà, donc il me donne Canva Contract Terms. Donc, avant que je sois accepté ou bien inscrit, donc il faut que je lis les termes du contrat
qui va me lier avec Canva. Donc bon, je vous laisse le soin de le faire, mais juste, j'aimerais vous montrer quelque chose, c'est ce qui est important dans ce contrat, c'est les prix. Donc les prix, ils sont là, donc les prix de l'affiliation. C'est-à-dire, donc, si vous arrivez à, par exemple, vendre un abonnement Canva Pro mensuel, c'est-à-dire Canva Pro de un mois, donc vous allez gagner 80% du montant de l'abonnement. Donc ça, si la première version, et la deuxième version, c'est Canva Pro monthly, donc toujours 80% de la vente. Et puis vous avez Canva Pro yearly, c'est-à-dire si vous arrivez à vendre un abonnement Canva Pro pour une durée d'une année, vous allez avoir 15%. Donc la même chose, pour Canva Pro yearly équipe, parce qu'ils font deux propositions. La première, c'est pour par exemple, un mois, une seule personne, c'est 80%. Un mois, une équipe inférieure à 5 personnes, c'est 80%. Et un an de Canva Pro pour une personne, c'est 15%. Et un an pour une équipe de moins de 5 personnes, c'est 15%. Bon, c'est juste pour vous donner une petite idée, qu'est-ce que ça donne. Bon, aujourd'hui, le prix de Canva Pro, c'est-à-dire de l'abonnement Canva Pro annuel, il est de 54,99 $. Donc, si je le multiplie par 15%, ça me fait 8,25 $. Donc, si j'arrive à vendre un abonnement annuel Canva Pro, donc je vais gagner 8,25 $. Alors, si je vends un Canva Pro équipe annuel, donc ça coûte 84,9 $. Donc, si je le multiplie par 15%, ça va me faire 12,7 $. Alors, et si je commercialise un Canva Pro mensuel qui coûte 6,49, je vais gagner 5,19 $. Et si je commercialise, si je vends un abonnement Canva équipe mensuelle qui coûte 8,49 $, je vais gagner 6,79. Donc voilà un peu l'idée sur les gains que vous pouvez faire avec cette affiliation. Bon, donc je vous demande de me laisser des commentaires si vous êtes d'accord sur ce programme, c'est-à-dire si vous êtes satisfait ou pas, parce que franchement, donc moi je vois qu'avec ces prix là 8 $, 12 $, 5 $, 6 $ de gain, bon, ça ne me justifie pas de me lancer dans une publicité. Donc, la seule façon de promouvoir cette affiliation, c'est de le faire à travers vos réseaux sociaux, c'est-à-dire à travers votre audience, par exemple, sur... en faisant des vidéos sur YouTube ou bien des articles sur Facebook ou bien d'autres réseaux sociaux. Voilà, donc vous avez une idée un peu sur ce que ça donne. Bon, donc maintenant, une fois que j'ai lu le contrat, je devrais normalement l'accepter. Si je suis d'accord, donc si j'accepte, il faut que je clique ici, accepter. Donc là, on me donne l'attitude pour s'inscrire. Donc bien sûr, on me font des propositions, soit en utilisant mes comptes réseaux sociaux, ou bien en utilisant un email. Si je choisis l'email, par exemple, je clique ici. Donc, ils vont me demander mon first name, c'est-à-dire mon prénom, mon nom, mon username, mon adresse mail, un mot de passe que j'ai choisi à ma guise, et puis mon numéro de téléphone. Et je coche ici, I have read and accept.
the Partner User Agreement and the Master Campaign Agreement. Bon, là, c'est obligatoire, il faut cocher, sinon c'est pas accepté, mais celle-là, c'est pas obligatoire, parce que I would like to receive the last partner news. Ils vont vous envoyer des newsletters et, ou bien des messages quand il y a des choses à vous dire. Et puis, je clique sur Get Started. Donc, une fois que je clique dessus, je tombe sur, la plateforme de Impact. Donc, et là, à travers... Parce que Impact, c'est une plateforme qui gère l'affiliation de Canva, et je pense qu'il gère l'affiliation pour d'autres organismes. Bon, donc c'est impact.com. Donc là, arrivé sur cette plateforme, vous allez mettre Sign In, vous cliquez sur Sign In, c'est-à-dire vous allez mettre votre mot de passe et votre email. Moi, je l'ai déjà fait, donc Google a déjà enregistré mes coordonnées, donc, et voilà, vérifier, donc, et puis, et voilà, Impact, donc voilà mon, et puis, je vais se connecter. Voilà, donc là, il me mène vers mon tableau de bord. Donc, bien sûr, une fois inscrit, j'ai un tableau de bord de suivi de mon trafic. Donc là, vous avez la recette du jour, le total en attente et le solde global. Et ici, une courbe des... c'est-à-dire du trafic, de votre trafic qui a été réalisé. Bon, donc, alors ici, c'est important aussi, cette case-là, il vous permet d'avoir le lien d'affiliation. Donc, votre lien d'affiliation Canva, c'est celui-là. Donc, vous allez mettre copie, et puis vous commencez à le promouvoir. Et ce lien, donc, si... regardez, si je le, je vais faire copier et on va vérifier où est-ce qu'il va me mener. Donc je vais ici, je clique, coller. Voilà. Donc il va m'emmener sur la page des prix. C'est la page des tarifs. Donc votre, par exemple, votre prospect, une fois qu'il clique sur votre lien, donc immédiatement, il est acheminé sur cette page-là pour s'inscrire et voilà, et s'il s'est inscrit, donc vous êtes, vous serez rémunéré sur cette inscription. Mais et attention, donc la rémunération ne peut se faire qu'après 45 jours et un peu plus, parce que en premier, on offre 45 jours de gratuité, et c'est après que la personne qui a cliqué sur votre lien, on lui envoie une facture pour régler soit la mensualité, soit l'annuité pour laquelle il a souscrit. Voilà, donc je reviens sur mon tableau de bord. Voilà. Donc, ça, je vous rappelle, c'est votre lien d'affiliation Canva. Bon, quelque chose d'important que j'aimerais vous montrer, c'est que si vous voulez changer ce lien-là, par exemple, au lieu de faire apparaître à votre prospect la page des prix, vous voulez lui faire apparaître une autre page de Canva, vous allez ici, vous cliquez là, et donc là, on vous demande de mettre l'URL de la page Canva que vous voulez promouvoir. Donc une fois que vous mettez l'URL, vous mettez créer, vous allez avoir un lien un lien d'affiliation qui correspond à la page que vous avez choisie. Voilà, donc j'espère que j'étais clair dans ce tuto.
Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser dans le commentaire. Donc, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin. Et je vous invite à partager avec vos amis. N'hésitez pas de commenter et de poser des questions. Je tâcherai d'y répondre. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Et merci. Au revoir.